Bien tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Hogwarts Legacy. Je suis actuellement pris en embuscade par les hommes de Rookwood qui m'attendaient à la sortie de chez Ollivander après avoir récupéré la fameuse baguette spéciale. Et j'ai été. On m'a fait transplaner du coup au milieu d'un camp qui semble appartenir à Rookwood et à ses hommes. Et du coup, je dois me défendre face à eux. Donc, c'est pour ça que je suis sur le menu pause, parce que j'ai une pause au moment où je suis arrivé du transplanage dans son camp. Donc, le combat n'a pas encore commencé. Et à peine j'ai enlevé le mode, le menu, que ça va partir en vrille. Allez, c'est parti! J'espère que tes affaires sont en ordre. J'ai attrapé une bestiole pathétique dans mes villes d'alliance. Wow! Rookwood ne se rendra pas si facilement. À genoux. Hein? Lassus. Attends, j'utilise quelle baguette là? Je regrette. Oh, regarde. Je vais te faire regretter de ne pas être en cours. Expelliarmus, facile, confringo. Stipendo. Mon Confringo, il est pas passé? Confringo! Ah voilà. Lève-toi et bats-toi. Ouais, y'en a combien là-haut? Tu vas payer pour ce que tu as fait. La mort par le ciel. Tu as commis une grossière erreur. Tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu penses? Lassus, Confringo! Hein? Tu aurais dû me rejoindre. Avada Kedavra! Ah, carrément, le Avada Kedavra. Ah! Le fait de retarder inévitable. Elle aurait pu me tuer. Ouais, Comme un agneau. Attends, Rookwood, t'inquiète. Mange-toi ça dans les dents. J'ai plus d'impression. Confringo, Expelliarmus. Wow. Ce n'est que l'échauffé. Confringo. Alors. Merde. Merde, je suis con. J'ai pas fait attention à ma vie. On recommence directement après son fight. Pas le meilleur endroit pour arriver sans compagnie. Et merde. Tu vas payer. Vivre tes derniers bons moments. Tu vas faire. J'ai attrapé une bestiole pathétique dans mes filets. Je t'ôterai la vie avant même que tu ne t'en rendes compte. Tu en as eu assez? Quelle ambiance électrique. Grossière erreur. Expulso. Confringo. Expelliarmus. Non. Expulso. Je vais te faire regretter de ne pas être en cours. Tu vas mourir pour ça. Impressionnant. Lassus. Confringo. Eh bien. À genoux. Tu as commis une grossière erreur. Tu vas le regretter. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Oh. Voilà. Tu aurais dû me rejoindre. Ah, c'est le A maintenant. C'est bien pour quelqu'un de ton âge. Permets-moi d'abord. Ah, comment ça, je peux pas le. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Tu n'auras pas ma baguette. Ne t'embête même pas à essayer. Confringo, Lipendo, Cassius, Expelliarmus. Stipendo, Confringo, merde! Eh bien, on croirait que tu essaies de faire. Expelliarmus, Stipendo, Confringo. Personne ne remettra une vermine dans ton genre. Confringo.
Flipendo, la suite, c'est bien. Confringo, Spedermus. Ah, comme c'est gentil. C'est le mieux que tu puisses faire. Regarde ce que tu as fait. Merde. Tu vas payer pour ça. Confringo, la suite. Confringo. Ah, mais... Il semblerait que tu ne sois pas... Tiens, prends-toi ça dans les dents, toi. Voilà. Abandage et d'abord. Il est toujours pas mort. Ah, si, là, il est mort. J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Bon, une bonne chose de faite. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. On a un coffre de ce côté-là. Il est où ? Rebellio. Ah, il est dans la tente, ok. J'ai dû rater quelque chose encore avec ça. Ah voilà, ça doit être là. Allons bon. C'est pas le genre de fête où on a envie de venir sans personne. Bah allez, monte. Bon. Faut rentrer dans le camp, bizarrement. Enfin, bizarrement. Visiblement. On a un coffre ici. En fait, on a du loot un peu partout. Petite potion Vingenbeld. Revelio. Ça c'est juste pour sortir. Ah, concentration magie ancienne. Ok, donc là le camp est complété. Super, bon on va faire une petite sauvegarde. Je pensais que j'aurais complété un défi mais non. Hop, sauvegarder la partie, voilà. Et donc faut que je retourne voir Fig si j'ai bien compris. Ouais. À la salle de la carte, c'est ça? Pour lui dire ce qui s'est passé. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. Mais les dégâts que je faisais, c'était avec la nouvelle baguette ou avec ma baguette à moi ? Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rockwood en personne ? Il était vraiment pas compliqué. Hein. Il a détruit de nombreuses vies et il n'allait pas s'arrêter. Tant mieux si j'ai pu nous en débarrasser. Vous avez raison. Je rappelle, je suis un élève de cinquième année. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je sens savoir environ 16 ans, quoi. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte au loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière.
Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh. Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Effectivement, on risquait pas de trouver, hein. Le dernier dépôt. Entrez dans la grotte des gardiens. On a la petite musique en mode on est en ordre de bataille. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Il y a un bug ici. Revelio. Allez, rentrons. On va voir ce qui nous attend derrière. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ah bah cool. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. On aura sans doute du renfort du coup pour affronter Rockwood alors. Ranrock, pardon, pas Rockwood. Rockwood est mort. Si on pouvait faire, voilà, les 400 mètres en allant un peu plus vite. Ok, donc ça a l'air d'être par là. Bon sang, les gobelins. Je me demande si Ranrock est ici. Allons-y. Si ses fidèles sont ici, Revelio, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. Merde. Tu as fait ton mieux. Stupendo, Confringo, meilleur de six. Cassius. Confringo. Comment il a pu esquiver le sort? Les acrobaties ne feront que retarder l'inévitable. Je vais venger ta mort. Super. Si seulement Ranrock pouvait voir ça. Cassius. Confringo. Je vais venger ta mort. Flipendo. Ce n'était pas tenir d'impressionnant. Flipendo. Nous devons continuer. Ranrock doit être quelque part dans le coin. Cette foreuse nous barre la route. Nous devons la faire bouger. Je m'en occupe. Un instant. Et s'il va faire. Effectivement, c'est une manière de faire bouger les choses. Revelio. Il y a encore un combat qui va nous attendre là, non? Ouais. Oh! D'accord. Ah! Oui, j'espère aussi. Merde. Flipendo. Voilà, un de moi. Pas prendre, si vous ah pas.
faire aucune bouchée. Wouhouhouhouhou. Oh. Confringo, expédiaire de citation. Je t'enterrerai dans les plus profonds des merdes. Confringo, je prends son compte. Stipendo. Wouhou. Oh merde. Wow. Tu n'es qu'un grain chaud. Confringo. La suite. Expelliarmus. Flipendo. La suite. Il en prend plein la gueule, Fig. Confringo. Merde. La suite. Confringo. Voilà. Super. Ah ouais. Bon, vous m'avez énervé là. Voilà. C'est Pendo. Pas malin de revenir. Confringo. Aïe. Mais ah, laisse-moi commencer le sort, voilà. Quelle performance pathétique. Stipendo, quelle cruelle déception. Lance le sort. Expelliarmus. Voilà. Il n'a pas assez. C'est un Dax, hein. Et maintenant. Ah, il y avait une petite potion ici. Merci d'avoir pensé à moi. Revelio. Là ici on a de la magie ancienne visiblement. Fais une petite sauvegarde. Professeur, ce mur, c'est par ici. Quelle perspicacité. Mais en même temps c'était pas forcément discret aussi. Revelio. Il y a des potions Vingenvel de partout. Il y a encore du combat qui nous attend. Ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Vous êtes vraiment très perspicace. Il y a encore une potion ici. Encore trois, je pourrais plus emporter. Écoutez, d'autres gobelins. Avec un tonneau plein d'explosifs. J'aime souffrir. Qu'avons-nous? Confringo. Finissons en bande d'imbéciles. Expelliarmus. Stipendo. Je vais manger ta mort. T'en tireras pas comme ça. Confringo. Ça devrait pas être long. Expelliarmus. Je vais manger ta mort. Ah, tu es là. Pas malin de revenir par ici. Voilà, on va lui faire ça dès le départ. Stipendo, Confringo, Expelliarmus, Cassius, Expelliarmus. Voilà. Ah, c'est pas fini. Ok. Ah, oh, merde. Stipendo, Cassius, Confringo, Expelliarmus. J'ai sorti des, je ne m'atteignais pas. Stipendo, Expelliarmus. Cassius, Confringo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Stipendo. Merde. Cassius, Confringo, Expelliarmus. Pour l'instant, ces tunnels ne jouent pas en notre faveur. Bon, on y est arrivé. Donc, il n'y a plus qu'une araignée qui se pointe. Revelio. Hop, allez, petite sauvegarde. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici. Et détruis-moi ce mur. Merci bien. Qu'est-ce qui nous attend là, c'est quoi? Oh oh.
Dites-moi qu'on va avoir du renfort. Ah, voilà. Tous les professeurs de Poudlard avec moi. Est-ce qu'il va y avoir aussi le directeur de Poudlard? J'en doute, mais... Ah si, il est là. Même lui, il est là. Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Pierre Totum, locomotor, comme dirait McGonagall. Nous allons y aller un petit peu plus. Ah, ah. Ils tiendront. Ouais. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons rencontrer cette créature qui commande. Vous arrivez à point nommé, professeur Eckhart. Merde. Merci. Oh, le bordel. Par ici. Confringo. Fini sans ordre. Un intrus. D'autres fidèles de Ranrock. J'ai peur du Vegasus. Stipendo. Ah, toi tu crèves. Stipendo. Vegasus. Confringo. Stipendo. Vraiment. Voilà. Stipendo. Bah, pourquoi je peux pas le lancer? Attention. Ah, d'accord. J'aurais dû faire péter le truc à ce moment-là. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, professeur. Stipendo, Cassius, Confringo, Spediarmus. Comment ça fait ça? Stipendo, Cassius. Merde. Confringo, Spediarmus. Pas malin de revenir par ici. Confringo, Expelliarmus. Je ne m'arrêterai pas avant de tuer. Stipendo, Cassius. Confringo, Expelliarmus. Ah, tu t'en tireras pas comme ça. Super. Bon, Black est peut-être méchant, mais j'ai pas envie qu'il se fasse tuer, hein. Oh oh. Merci, McGonagall. McGonagall, le psys révélateur. Merci, Madame Weasley. Notre porte de sortie. Attends, j'ai pas eu le temps de looter. J'ai pas eu le temps de récupérer les crottes de nez de troll, entre autres. Ouais, d'accord, on sent déjà le combat de malade avec les deux... Les deux statues qui est en face. Elles vont s'activer, c'est sûr. Ouais, voilà. On dirait un peu la... Le golem de... Le golem dans le premier film Thor. Oh,
Ils ont vu qu'on avait la baguette et du coup ils... Ils sont avec nous. Et ils ouvrent la porte qu'il y a là-bas. Ça aurait été cool de les affronter quand même. Est-ce que je peux faire une pause? Ça aurait été chouette de les affronter, non? Le dernier dépôt, il est là. On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrock. Ouais, pas sûr. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré. Ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire? J'ai l'intention de l'ouvrir. J'ai décidé d'ouvrir le dépôt. Son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus. Même après tout ce que vous avez vu, et la fin d'Isidora. Ce point ne devrait pas détenir l'écart de ce monde. Isidora savait qu'elle avait un don remarquable pour aider les gens. Je compte bien terminer. J'étais le ver dans la pomme depuis le début. Et l'approfondir. Mais cela pourrait facilement mal tourner. Vous connaissez mieux que quiconque les risques que vous prendriez. Je connais les conséquences, professeur. Grâce à ce que j'ai appris, je peux éviter de commettre les mêmes erreurs qu'Isidora. Je peux apprendre à utiliser cette magie pour faire le bien. Ah. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez. Quel bâtiment? Poudlard ou le dépôt? C'est avec le dépôt. Parce que Poudlard, c'est pas possible. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Ah. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. Il a espéré le pouvoir. Respire fort, hein. Tu devrais voir un spécialiste. Waouh. Les gobelins n'obéissent à personne. Il est passé au figue. Ok, on va sauvegarder là. Et au prochain... Ok, sauvegarde inaccessible. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode, bah, vous savez ce qui nous attend. Hein. Le combat contre Ranrock est donc potentiellement la fin de ce let's play. On verra bien s'il reste un dernier truc ou deux à faire derrière. En tout cas, j'espère que l'épisode lui vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'est le ping. Bye bye.